Être ou ne pas être. 15 ans. 4 millions de chômeurs, on se décarcasse pour leur trouver du boulot, 2 ou 3 gouttes d'eau chaude et ils se mettent à gueuler. Bon, enfin, si on peut appeler ça un boulot, hein. Porte-savon. Alors, c'est un spectacle qui parle surtout de football et du Brésil, de chants liturgiques. Oui, bon, alors. C'est vrai qu'on retrouve toujours les obsessions de Jean-Yann, la religion, les femmes, les flics, l'administration, le pouvoir, la politique. Car quand tu m'as quitté, le seul qui m'a aidé, c'est notre voisin du dessus, c'est Jésus. Ob ton arrêt quam permissionem de conduire arrêt per pistonem, ou dans un pochetum surprisum. Ah. Je crois que nous sommes le seul spectacle à Paris qui catalyse tous les genres. Tout. Voilà. C'est le spectacle le plus complet de Paris. Vous voyez, il y a le pain complet. Là, c'est le pain complet avec céréales. On se demande bien pourquoi le renard, qui est un carnivore de première bourre, irait emmerder un corbeau pour bouffer un fromage. Pourquoi ? Ben, tu m'aurais dû l'oreille. Pourquoi tu n'as pris du bon l'homme entre tes dents ? On incarne la connerie, mais comme disait Jean-Yann, être pris pour un con par un imbécile, c'est vraiment un délice. Et les gens rient plusieurs fois. Non, viens dès, vous allez rire. C'est français, ça. Oui, c'est du vieux Berrichon. Ah oui. Suivez le veuf. Il y a 2 jours que la défunte doucement s'est éteinte.